Wow. Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Mesdames et messieurs, bienvenue, nous sommes sur Nyons Reborn. Si vous n'êtes pas abonné, en dessous, c'est de tous abonnés. Allez-y, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo. Aujourd'hui, nous avons envie de résoudre le problème des gens. Aujourd'hui, nous avons envie de vous parler de ça. En fait, un problème. Et comment résoudre un problème ou un cas difficile. Mes frères et sœurs, comme vous le savez, peut-être que vous ne savez pas, vous ignorez que dans la vie, tout ne peut pas être rose, tout ne peut pas être parfait tout le temps. Ça ne peut être que la joie tous les jours. Forcément, il y aura une situation bizarre qui viendra pour gâcher l'ambiance. Mais face à cette situation, il faut réagir comme suit. Premier élément, il faut garder ce calme. Il faut garder le calme et il faut réfléchir. Vous vous asseyez et vous réfléchissez sur comment vous allez faire pour résoudre le problème. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un sujet très intéressant parce que nous tous ici, on a au moins déjà goûté une fois de notre vie un problème. Face à un problème, il faut une solution. Et la solution là, elle est là, elle est quelque part, personne ne sait, mais nous devons la trouver. Il faut trouver la solution. Ceux qui ont eu l'opportunité de prévenir le problème ou de voir le problème à distance, peut-être que ces personnes-là ont gardé des solutions quelque part. C'est-à-dire des gens qui sont des visionnaires, qui ont pu voir le problème venir de loin, qui ont pu voir le mal venir de loin. Et ces personnes se sont préparées à cela d'avance. Ces personnes ont pu dire que face à ce problème, elles sauront comment gérer parce que elles ont été préparées ou sans doute ont déjà vu un cas pareil, un cas similaire. Mais le problème dont nous sommes en train de vous parler ici, ce sont généralement des problèmes qui arrivent d'une manière bizarre, surtout ces temps-ci. On vous a montré une vidéo où un arbre est sorti de la terre et a traversé, a quand même traversé une voiture, c'est-à-dire percé, a perforé la voiture. C'est incroyable, mais c'est vrai. Ça, c'est un problème et personne ne sait d'où ça vient. Et ces temps-ci, nous voyons des problèmes inattendu, c'est-à-dire imprévu. Même quand on parle des séismes, des catastrophes naturelles, ça vient de partout, on ne sait pas, on est là, on se tourne, on se dit, mais ah, on n'a jamais vu ça, mais regardez ça, personne n'aurait prévu ça, comment ça peut arriver? Vraiment, c'est étrange, c'est énormissime. Mes frères et sœurs, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est de ce genre de situation-là que il est importantissime de s'accrocher à Dieu. Et d'apprendre à écouter la voix de Dieu. Parce que Dieu peut nous parler et nous suggérer de bonnes idées afin de résoudre nos problèmes. Est-ce que vous comprenez? C'est là que Dieu est vraiment important. Il est vivant, il est vraiment réel. Il nous dit de sa parole, il nous dit, cherchez-moi et vous me trouverez. C'est comme si la solution à ce problème que vous venez de rencontrer là se trouve entre ses mains. Et lui seul a la réponse à vos soucis. Par exemple, aujourd'hui, quand quelqu'un a un problème, par exemple, une fille, elle ne s'est pas préparée, elle se dit c'est un problème sérieux. Et puis son mari se plaint toujours à la maison. Même les enfants se plaignent de ce que toujours ils vont au restaurant pour manger. Vous voyez? Là, elle voit qu'il y a un problème et elle essaie de résoudre le problème. Là, Dieu peut faire quoi? Dieu peut lui dire, ma soeur, Dieu peut lui parler pour lui dire, tu sais, tu peux aller voir la maman, elle va t'apprendre ce qu'il faut, ou voir telle personne, pour que cette personne t'aide, ou même voir un chef cuisinier, afin que ce dernier puisse te donner des cours. On peut apprendre, on n'est pas né avec ce don-là. C'est vrai, moi-même qui vous parle, c'est pas pour me vanter, mais j'ai appris à préparer. Je sais comment on fait tout avec la main, en tout cas dans la cuisine, j'essaie de m'y prendre. Mais je l'ai appris, c'est ma mère qui m'a communiqué ce savoir-là.
Même si mon père sait aussi préparer, il a la connaissance, c'est pas lui qui m'a donné cette connaissance, c'est ma mère, parce que lui n'avait pas le temps. C'est elle qui était là. Donc vous, Dieu peut vous guider vers une personne, même si c'est votre belle-mère, la femme, la mère à votre mari. Ça peut se faire. Si Dieu vous guide, faites ce qu'il vous demande de faire. Et vous allez y arriver. Si Dieu vous suggère une idée, c'est une bonne affaire. Peut-être que quand Dieu va vous suggérer cette idée, ça va pas résoudre le problème immédiatement, mais ça peut aider à la résolution du problème. C'est comme ça que ça se passe. Et vous donner encore un autre exemple. Le 11 août dernier, dans la nuit, il y a eu un problème ici. Et le problème, c'est qu'une star du pays a eu un accident. Et quand cette star-là a eu un accident, mes frères et sœurs, c'est terrible. Les images sont vraiment terribles. On n'a même pas envie de vous montrer ici. Mais cette star était même carrément couchée. Tous ceux qui étaient autour avaient même du mal à y croire. C'était un accident de moto vraiment très grave. Et tout le monde était en train de regarder le corps. Et dans cette situation-là, beaucoup de personnes paniquaient. Vous voyez, en même temps, beaucoup de personnes sont venues autour de ce corps-là. Et certaines personnes essaient de trouver des solutions. De toucher le corps, faisaient comme ceci, faisaient comme cela. Parce que les gens s'étaient même paniqués. Ils n'étaient pas préparés à même un problème pareil. Donc, ils étaient même paniqués. Ils voulaient en même temps sauver la personne. Mais en même temps, sans le savoir, ces gens-là étaient de prodiguer de mauvais soins à cette personne qui venait d'avoir, à cette star-là même en question, qui venait d'avoir son accident. Ces personnes n'étaient pas bien préparées. Et là même, pour pouvoir résoudre ce problème-là, il faut d'abord prodiguer les premiers soins avant que les gens les pompiers arrivent, quoi. Ou les ambulances. Où les gens de la médecine viennent pour prendre le corps. Là, il fallait pas paniquer. Il fallait garder son sang-froid. Et là, Dieu devait te parler immédiatement pour te dire ce que tu dois faire ou ne pas faire. Ça doit être un mouvement réflexe. Ça doit, même là, maintenant, pour régler le problème, là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que, dans ce genre de situation-là, vraiment, il fallait prévenir ça. On est toujours à moto, on roule toujours des motos. Ah, quand il y a un problème, quand on roule une moto, comment on fait? Ses amis, les gens d'à côté, étaient censés savoir cela. Parce que, en principe, on enseigne cela aux gens, les premiers soins. Allons-y tous suivre des coups, hein. Des coups pour sauver des vies. Parce que ce qui arrive là, vraiment, c'est pas de la blague. Nous devons vraiment faire très attention. Là, nous devons prévenir le problème. Face à ce problème-là, il y a une manière de se comporter, une manière de se conduire. Donc, toi qui es là, ma soeur, si tout va bien chez toi et que tu ris toujours, il faut continuer à rire. Mais on ne sait jamais. Prépare-toi aussi à d'éventuels soucis et sois prête. Parce que sur la terre où nous sommes là, il y a trop de trucs qui se passent chaque jour. Personne ne sait comment ça se passe, mais ça vient vous surprendre. Il faut se préparer. Il faut se préparer vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est une vidéo que nous avons envie de faire. Et vraiment, ça nous tenait vraiment à cœur. Qu'en pensez-vous? Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant, partagez cette vidéo. Et ne manquez pas la prochaine vidéo. Nous avons trois chaînes. En cliquant sur ce bon, vous avez accès à nos badges. Vous verrez, il y a ce bon 2, il y a ce bon 3. Même donc, Stevie, abonnez-vous. Et soutenez-nous comme vous pouvez. Et surtout, gardez votre calme. Que ce soit le problème que vous avez, priez et Dieu va vous donner son idée, belles idées, afin de résoudre tous les problèmes de votre vie. C'est parti pour la prochaine vidéo. Let's go.